Yo tout le monde, c'est Oetsuki, j'espère que vous allez bien, de ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du stuff, on l'a bien longtemps attendu. Et donc comme vous savez, ma composition est plutôt orientée vers le rocks. Il n'y a pas de zobal, de feka, donc c'est plutôt une composition avec Aneka Flip, Iop et Heliotrope. C'est vraiment du vrai rocks. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on va essayer d'optimiser le stuff le maximum pour avoir un stuff qui est plutôt orienté vers du rocks, que du rocks. C'est-à-dire des CC, des dommages, des stats, tout simplement. L'inconvénient de ce stuff, c'est que je suis sur la plupart des personnages, on dit PA 6PM, bien tout simplement parce que j'avais que 40 millions à investir sur ce stuff, donc 40 millions, on va pas pouvoir acheter des exos ou quoi, mais je suis plutôt satisfait. Alors c'est parti pour le premier personnage, donc on va commencer avec l'Eka Flip. Voilà. Donc l'Eka Flip, je l'ai mis en deux items El Monster, la coiffe et la cape, amulette automne, alliance Glurson, ceinture Ogivol, sandal Uzi et anneau MG Rocks. Et là le plus intéressant, c'est le marteau des anciens Steamers. Voilà. Donc pour les trophées, hein, le TTG, le pourpre, le tutu. le 80 puissance, les PAP, voilà. Dragon Dead Emerald Rousse. On va voir un petit peu les stats. Alors, déjà, pour les deux éléments, ça monte à 720 par élément. On va voir la puissance directement. Avec 200, presque 300 de puissance. Avec les 700, ça fait du 1000 par élément, les amis. Et on va voir un petit peu les dommages aussi. Alors, les dommages, ça monte à 112 par dommage. Je vais vous montrer les CC. Car ici, il y a aussi des CC. 43% de CC. Donc, ce qui fait tous ces stats-là avec 43 de CC sur tous les sorts, tout le CAC, etc. etc. C'est vraiment un stuff qui est très très fort. Je vais vous à chaque fois vous montrer une petite image pour voir un petit peu à combien il monte le rock du CAC sans que je booste le personnage ou quoi. Donc il est, je le mets en solo contre le putsch et je vous montre la prévisualisation des dommages du CAC. Ça monte jusqu'à combien. On passe maintenant au deuxième personnage, donc l'Enripsa. Donc l'Enripsa, c'est pas par ici mon petit ami. Alors c'est par là. Donc l'Enripsa, je l'ai mis en panoplie ombre. Enfin deux items, la coiffe et les bottes ombre, ceinture glour céleste pour les deux PO et les 4 CC. Voilà, la cape pouprée encore une fois pour les deux PO, puisque voilà, la panoplie ombre ne donne pas de PO tout simplement, et l'amulette non plus. Alors une amulette amulule, il y a un petit bug d'affichage là, c'est une amulette, c'est bien une amulette amulule, voilà. Donc voilà, qui donne 600 CC mais pas de PO, encore une fois, c'est pour ça que j'ai optimisé sur la cape et la ceinture le maximum de PO. Et on a une alliance Mrs. Freeze, voilà, je l'ai trouvée superbe, elle donnait des dommages critiques, 10 en soins, les deux éléments en intel et chance, et un anon MG Rock. Donc ici, en cas, on a une pelle vis qui rocks énormément, je vais encore une fois vous mettre le petit screen à côté. Donc pour les trophées classiques, vigoureux et le PAPM, le DDG, le pourpre et le tutu encore une fois. Et donc dans les éléments, on monte à 650, on va directement encore une fois voir les puissances, 300 de puissance, ce qui fait entre du 900 et du 1000. Du 1000 par élément les amis, encore une fois, c'est très très... très très fort, et on va voir un petit peu les dommages qui montent à 96, 91. Voilà, et pour les CC, oui, alors, c'est par ici je pense, oui, alors 32 de CC, pourcent de CC sur tous les sorts. Voilà, on passe maintenant à l'Enitrophe, voilà. Donc l'Enitrophe, je lui ai mis deux items piques. Voilà, la coiffe et l'anneau, voilà, pour deux retraits PM, vous savez, vous connaissez, une cape logie qui donne un PM, ça fait plaisir, une ceinture instable, je l'ai choisi pour les deux PO,
Et pour le 12 en retrait PM, moi j'ai mis un point de plus, ça fait 13 de retrait PM. Donc j'ai essayé sur ce stuff de ne pas faire deux stuffs, genre un stuff full rocks, un stuff full retrait. J'ai plutôt essayé de faire un seul stuff qui est optimisé sur du rocks et sur du retrait PM. Voilà, une amulette en Endart, un anneau MG Rocks, bot Bruce. Voilà, et une béchasse. Voilà, je vais vous laisser avec la petite image du Rox. Et voilà, encore une fois, un DDG, le pourpre, le tutu, encore une fois, deux trophées retrait PM, 24-24, et le père. Et donc là, on monte à 669 en force, 500 en sagesse, j'ai rajouté un petit peu 150 de sagesse quand même, et le reste en vitalité. Alors, on va voir un petit peu la puissance. 130 de puissance, 21 dommages critiques et 100, 114, 113 en dommages terre et dommages neutres, c'est pas mal. On va voir un petit peu le retrait PM. Alors, le retrait PM, il est par là. Donc, 133 de retrait PM, les amis. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu les CC qui montent à 337. Encore une fois, c'est un stuff qui donne pas mal de CC. Donc 37% de CC sur tous les trucs. Et voilà. Donc maintenant, on passe à un autre personnage. Donc qui est le l'héliotrope, simplement. Alors l'héliotrope, vous allez dire, mais putain, pourquoi t'as mis pas dans la liste? Je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà. J'ai mis deux items pas de greffe, la coiffe et l'anneau, une amulette, frime amulette tout simplement, un anneau Alistar, le PA, donc c'est le seul exo que j'ai, et c'est l'exo que j'ai réussi à passer à la deuxième tentative en vidéo, donc voilà, je vous invite à aller voir la série Exo Magie. Ici on a une ceinture Razzbuller PA, enfin PA, je dis n'importe quoi, une ceinture Razzbuller pour les stats tout simplement, et là on a une pantoufle MR, ce qui donne un PA, un PM, classique, vous connaissez, et une cape du Klim. Donc, et là, ça devient plus intéressant parce que là on parle d'une bague éternelle les amis, et vous allez voir l'Orox. Donc je vais essayer de vous mettre une petite image. Voilà, une bague éternelle FMR. Voilà, et pour les trophées, on a mis un DDG, un pourpre, un tutu classique. Voilà, 100 d'agilité et le PAPM. Et pour les stats, les amis, on monte à 1000, plus de 1000 d'agilité, ce qui est plutôt pas mal. 300 d'intelligence, on s'en fout, c'est juste pour les conditions du CAC. On va passer au Rox. Alors, là, vous avez vu que je suis en 11-6 grâce au psy Talon Alistar PA, donc voilà. On passe maintenant au dommage, tout simplement. Donc on monte à 140 de puissance, ce qui fait 1140 d'agilité. C'est plutôt pas mal. Presque 90 en dommage R. Ça aussi c'est pas mal. Avec 30 de dommages critiques, ça aussi c'est intéressant. Ça. Voilà. Ça fait du 120 de dommages si je crie, tout simplement. Et on va voir un petit peu les CC qui montent à 47% de CC. Donc je suis à 1 sur 2 sur tous les sorts, tout le CAC, tout ça, tout ça. Un petit peu de tacle, de fuite, c'est plutôt intéressant. Et voilà. Donc je vais, en fait, pour parler d'initiative, je vais essayer de jouer le panda en premier, l'hélinotrope en deuxième et l'héliotrope en troisième. Voilà. Voilà. Maintenant, on passe au Yop, tout simplement. Alors, le Yop, voilà. Donc, ce qui est pas cool, c'est que je suis DPS 5 PM. Ah, ok. Re les amis, et donc j'avais juste à changer un petit trophée. Alors, donc là, on parle de deux items Mrs. Freeze, donc le casque et l'anneau. Voilà. Une cape au logis, une ceinture Bruce. Une amulette Héroclite, une bague Lourson et des bottes minables qui donnent un PA. Voilà, qui sont plutôt pas mal. Alors ici, l'inconvénient, c'est qu'on est sur un Yop en DC, c'est pas top, mais j'ai plutôt optimisé le Rox et je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors, on va, voilà, je vous ai montré un petit peu tout le stuff, on va voir le CAC, je vais vous montrer l'image du Rox. Voilà, et ensuite on a une dragon d'armure. J'avais le choix entre dragon d'émeraude rousse
pour la Vita, soit le Trogdante en armure. J'ai choisi de mettre la Trogdante en armure et de mettre le petit nomade. C'est plutôt rentable niveau rocks. On a moins de Vita, mais c'est pas grave puisque il a beaucoup 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 de résistance, notre ami le Yop. Et donc pour les stats, j'ai mis 300 en force et 200 en intel. Voilà, j'ai voilà, c'est des stats qui sont un petit peu pour le level 200. Mais voilà, qui sont plutôt pas mal ici, si on veut mettre des destins ou quoi, c'est plutôt rentable. Donc on monte à 1000 de force, les amis, ce qui est plutôt pas mal. On va voir la puissance aussi. Alors 240 en puissance, ce qui fait presque 1250 en force, tout simplement, et 118 par dommage, ce qui est plutôt pas mal. Les CC aussi, donc il y a 33% de CC, donc ce qui fait 1 sur 3 de CC sur tous les sorts, tout ça, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on passe maintenant au dernier personnage, qui est le panda. Donc le panda, c'est lui qui a le stuff le plus pourri. On va dire ça comme ça, le stuff que j'ai pas aimé. J'avais déjà prévu un stuff en pas de greffe, en full rocks, en mode rocks, rocks, rocks. Mais en fait, j'arrivais pas à avoir un stuff qui est optimisé sur avec 11 PA, 6 PM, tout en étant avec les bottes de classe, tout simplement. Parce que voilà, pour moi, les bottes de classe sont plutôt obligatoire, voilà, sur un panda PVM. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le stuff. Donc là, on a un calotte spot, deux items Nilesa, donc la cape et l'amulette Nilesa. Ici, on a un Grésilano, histoire d'avoir un petit peu plus de résistance eau, parce qu'il était à 0% de résistance eau, et ça pose problème. Donc, je lui ai mis le petit Grésilano. Encore une fois, la ceinture Glure Céleste pour les deux PO. Très intéressant, les deux PO. Et donc là, encore une fois, voilà, déjà qu'il a des bottes de merde qui donnent rien, donc des bottes de classe tout simplement, je lui ai mis un Gélano. Ça voilà, c'est encore plus chiant. Donc c'est l'item que j'aime pas. Franchement, je pouvais mettre un Gélano sur le Yop et être en 12 PA 5 PM avec la cape Professeur Xa, mais j'aime pas les Gélano, puisque voilà, je suis level 198 et je vais mettre un Gélano level 60. Ça, voilà, j'ai des complexes avec les Gélano. Et encore plus, je lui ai mis l'Ash Garryezo qui est level 139. C'est de la merde. Bon, ce stuff, je suis pas satisfait, mais quand même. On monte à 4300 de vitalité avec 11 PA 6 PM. Avec les bottes de classe, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, au niveau des trophées, voilà, le DDG, le pourpre, histoire de roxer un petit peu. J'ai pas mis de Titus simplement parce que voilà, j'ai zéro en CC tout simplement. Voilà, les trophées Vita, initiative pour jouer en premier, trophée sans dentelle et le PA. Voilà. Donc ici on monte à 700 d'intelligence, on va voir la puissance. Elle monte à 119, ça fait un petit peu 800 en intel, c'est plutôt pas mal. On va voir un petit peu la PO. Donc 6 de PO, c'est plutôt intéressant, c'est pour ça que j'ai mis la ceinture Glure Céleste, c'est plutôt pas mal. Alors les dommages, on monte à 84, 0 CC, c'est normal. Et voilà les amis, donc ce stuff va me permettre de gérer les donjons Free Ghost 3, histoire d'avoir le petit Dofus des glaces qui fait plaisir. Et juste après, pourquoi pas ne pas se mettre comme objectif les doubles boss, tout simplement avec le même stuff, hein. Pourquoi pas encore viser le haut, histoire de faire quelques donjons dimension, les gros donjons genre Protozoror, Mercator, tout ça. Et voilà, donc je pense que la prochaine vidéo PVM serait le Nilesa, les amis. J'espère que, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous. C'est très important pour la suite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!